Salut tous les amis, c'est Spectrolo. J'ai failli faire un salut tous les amis, c'est David Lafarge. Le mec il sait plus faire son intro. En ce moment je regarde beaucoup de vidéos de David aussi, c'est peut-être pour ça. Et du coup on se retrouve eh bien pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Twilight Princess, le let's play HD sur Wii U les amis. Dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on s'est fait? Eh bien on a appris un petit peu plus sur l'histoire. Midna est un petit peu maudit dans le monde de la lumière en fait. Et du coup Zelda l'a sauvé. Par contre Zelda, eh bien on ne la connaît plus, on ne la voit plus du tout, on ne sait pas où elle est passée. Et on a eu Xanto qui nous a mis une méchante baffe sur le loup, enfin sur Link qui est devenu loup en fait. Et là on va aller dans un sanctuaire pour avoir donc une épée, j'imagine que ça doit être Excalibur. Donc c'est plutôt cool. 1, 2, 3, 2, go, 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 ok. C'est mieux comme ça, au moins t'es sûr que ça va marcher, tu vois. En fait, c'est la même. Merde, j'ai passé le dialogue, désolé. What, c'est quoi ça? On dirait un genre de Skull Kid dans Majora's Mask et dans Ocarina of Time. Ah, c'est lui qui fait popper des épouvantails à la con là. Ah, il est dégueulasse. Il ressemble quand même à Skull Kid hein. Il ressemble. Attends, dégage-toi, dégage. Merci d'être passé, adieu. Allez, vas-y, je me casse. J'ai que 3 coeurs là, ça va pas hein. Ça va pas du tout hein. Je suis passé par où là? Je suis passé par là, je crois. Je dois aller par là. Oh là là, il m'énerve. Oh putain, il m'enlève un coeur, ces connards. Oh là là, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Tiens, je t'ai tué. Ah non, je t'ai pas tué. Mais pourquoi, enfin... Ce truc est vraiment bizarre en fait. C'est un ennemi, mais il m'indique le chemin, c'est con. Est-ce que c'est un ennemi en fin de compte? Enfin oui, il me fait popper des épouvantails. Donc oui, c'est un ennemi. Oh là là. T'es sérieux là? Eh, je me retourne moi. Je me retourne. Non mais oh. On va aller par là. Bah de toute façon, je peux pas aller nulle part hein. En fait on l'entend avec la musique en fait. Enfin, je sais pas si vous entendez beaucoup la musique. Ah bah non. Elle avait l'air forte la musique pourtant. À moins qu'il y avait un autre chemin. Je suis passé par là moi ou pas? Oh putain. Me dis pas que c'est un labyrinthe. A tous les coups c'est un labyrinthe. A tous les coups c'est un putain de labyrinthe. Un peu comme il dit Bitumor avec les corbeaux. Ah il est là. Attends que je te défonce toi. Oh les 4 d'un coup mon gars. Je rigole pas avec toi hein. Attends que je vais prendre ta peau toi. Bien là. Oui, gling, 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 gling. Hop, ça dégage. Et c'est marrant parce que quand tu l'attaques, les épouvantails, ils se barrent en fait. Oh, il va où là? Ah, on le voit. Vite, courons. Non, 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 non. Il est passé par où là? Il est passé par là? Vite. Vite. Je le vois pas. Ah putain, il est où? Là, là. Ah par là. C'est par là sûrement. Ah bah oui, c'est par là. J'entends hi hi hi, t'es où hi hi? Attends, il est en haut ou quoi? Ouais, on l'entend là.
Il peut pas monter de façon si. Non, ils peuvent pas monter, ça va. Oh, il est là! Non, il va se barrer! Ah, c'est bon. Il va où là maintenant? Ah, il me laisse la porte, c'est gentil à toi. Le bruit quand même! Je sais pas si on se retrouve. Enfin, je vous ai pas dit, on se retrouve pour l'épisode numéro 20, je sais plus. Parce que. Il faut que je me mette en tête de dire le nom des épisodes pour après faire les montages. Parce que je suis à 6-7 montages à faire après. Donc bon. Ah ouais, putain, c'est stylé. Hein. J'étais en train d'observer un peu les environs. Observons, observons. Oh, il y a un truc là, attends. Ah non, attends. Avant de tomber, je voulais voir un truc. Si on passe par là... Ah, il y a un coffre! Il y a un coffre, j'ai vu un coffre. Ah, il est pas content là. Pas content du tout. Dégage toi, dégage. Sonne ma gueule le truc ou quoi? Ah d'accord, j'ai compris. J'ai compris le truc. En fait c'est le moment justement où il commence à faire. Et ben là faut l'attaquer en fait. Je comprends mieux. Oh là là, il y en a beaucoup là. Et là je l'attaque. Non! Oh tant pis, c'est pas grave, je les défonce de toute façon et j'ai l'impression que je perds pas de cœur pour le moment. Vas-y, faire gling 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 gling. Oui, bim gling gling gling. Ça doit être un mini boss. Ouais, il en met de plus en plus des épouvantails là. Ils sont relativement stylés je trouve. Oh, lui il est rapide. Oh, ils sont vifs. Oh. Tiens, dégage. Bye bye. Bah merci pour le chemin. Merci. La petite bestiole là qui ressemble à Skull Kid était fort sympathique. Y'a quoi là? Y'a rien du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Je regarde un peu partout. Oh, y'a quelqu'un qui a volé mon trésor. Saloperie. Bon non, mais y a rien ici en fin de compte. C'est juste pour décorer peut-être. C'est quoi ça? Putain, comment on fait pour ouvrir cette porte? Ah ok, vous avez pas vu. La Triforce, mon gars. Hein?
Oh putain, c'est un boss? Oh là là, comment je le tue lui? Hein? Nous sommes les esprits tutélaires de ces lieux. Guide-nous jusqu'à nos positions originaires. Si tu y parviens, nous te ferons pénétrer dans le sanctuaire. C'est une blague. Ah il m'y peut pas. Ah ouais. Ok. Et si je vais par là moi? Ah, mais faut les... Ah non mais il va pas à côté. Oh, ça va tellement pas être facile ça. Putain on se croirait dans Professeur Layton avec les énigmes à la con là. Ah c'est bon. Ah c'est les deux. Pff, oh là là. Oh c'est cancer ça. Putain la vache. Comment c'est salaud leur truc, ils sont sérieux là. Non merde. Ils sont sérieux. Oh non. Ah mais il me bloque là. Comment il veut que je fasse là? Il m'a bloqué. Il m'a bloqué là. Il m'a bloqué, il est sérieux. Putain le bâtard. Je sais pas. Parce que là si je passe par là. Parce que j'ai les deux écrans en fait. Bon. Pareil, on sait pas quand tu dois le mettre en fait, tu vois. Ça qui m'énerve. J'en sais rien.
Je suis au bout de ma vie là. Je suis au bout de ma vie. Je sais pas, je vais là, genre, je sais pas où je vais. Eh hey, mais attends. Sûr c'est là. Attends. Attends, attends. Si je vais là, il va là et ça sert à rien. Si je vais là-haut, il redescend. Si je vais là. Est-ce que toi tu montes là-haut? Oh! Ah, c'était tellement casse-gouille. Oh putain, elles sont sérieux à faire des énigmes comme ça. J'espère qu'il n'y en a pas 50 000. Hein. Notre animal, tu nous as ramené en opposition. Je vois pas. D'harmonie. Ok. Nous allons donc te guider en la forêt sacrée. Ouais. D'accord. Mais je bug. OBS. OBS. Alors, ah, c'est bien parce que des fois je regarde là, des fois je regarde là, enfin c'est... Waouh, trop bien. Oh, énorme. Mais là je préfère regarder là parce que j'ai un espèce de bug, je sais pas si c'est assez chelou. J'ai un écran blanc avec le jeu, mais c'est un filtre, c'est un... c'est bizarre. Allez, prends. Voilà. Oh, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Le hasard fait bien les choses et à un moment il faut réfléchir. Je sais pas si vous avez une technique, en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça si imaginons je recommence une partie, bah au moins je saurai la technique parce que là la vache c'est casse-couille. Excalibur. Ça c'est beau. 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 L'épée t'a reconnu comme digne de la porter. Ta 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 ta. Son fourreau en plus doré. Hein. Le fragment de magie qui t'empoisonnait, ça n'a vraiment rien à voir avec la magie des ombres. Fais attention si tu le touches. Tu te retransformeras en loup. Ah ouais, d'accord. Cet objet est trop dangereux. Il vaudrait mieux le faire disparaître à tout jamais. À un moment, et si nous faisions le contraire avec ça, on pourrait te transformer en loup à volonté. Oh oui, je veux. Après tout, Zanto a fait tous ses efforts pour nous le transmettre. À tous le remettre plutôt. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Elle est maligne, Midona. Si tu désires changer de forme, tu n'as qu'à me demander. Avec ça, si tu me demandes de te téléporter depuis ta forme humaine, je m'occupe de tout pour t'envoyer à destination. Link, j'ai une faveur à te demander. Waouh, elle est tellement triste. Elle est attachante quand même, Midona. Mine de rien, elle est vachement attachante. C'est pas comme Fate, tu vois. Quelque part dans Hyrule se trouve le miroir des ombres. Tu ne veux pas m'aider à le trouver? Mais oui, t'inquiète pas. Le miroir des ombres, c'est la seule chance que nous ayons pour retrouver Zanto. Mais oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ok. Eh bien les amis, on va s'arrêter là. Ça va être sûrement un petit épisode ou un épisode long. Enfin, j'ai quand même galéré un peu, hein, franchement.
c'était un petit peu la merde. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. On a on a Excalibur, on a l'épée, de légende. Je suis très content. Mon dieu, quand même que j'ai galéré. J'ai galéré quand même pour avoir Excalibur. Hein. Et pour ça, je vous dis, l'eau c'est bon pour la santé. Buvez de l'eau, très important. Salut tout le monde.